moi-même, je commence à décéder un petit peu. On va régler le calme. Je ne peux pas la faire. Comment est-ce qu'il m'a vu, ce con? Un plaisir de vous rencontrer. Prenez soin de vous. Toi aussi, t'es crevé? Je te comprends. Pas mal. Du coup, j'hésite à arrêter maintenant, mais... Oh, on est presque à 6 heures de live, on va continuer un petit peu. On va continuer au moins jusqu'à 20 heures. Il reste une heure. Ok. Du coup, t'inquiète pas, hein, on te forcera pas à jouer à Heroes avec nous. Hein. C'est si t'as envie ou si t'as pas envie. Hein. Mais en tout cas, si t'as envie et qu'on est en live, n'hésite pas. Hein. S'il y a une place, tu seras la bienvenue. Hey, salut Paladin. Paladin don. Ouais, Pokémon. Besoin d'aide?
J'ai passé toute ma vie dans la marge de l'Ouest, frangin. Je me souviens d'une époque où c'était la terre la plus fertile du côté de Strandon. Même si les défiastes ne sont plus là. Putain, les voleurs défiastes, quoi. Oh, faut pas t'inquiéter, moi aussi je suis timide avec les garçons IRL. Okamarino Suzu. Je sais pas ce que ça veut dire. Que la lumière vous bénisse. C'est un plaisir de te voir quand même, hein. Allez dans le. Sombre est mon histoire. Est-ce que tu veux la partager avec mon ami ou. C'est juste que tu as appris un peu de japonais et que tu te dis que ça peut être sympa de me faire entendre. J'ai cru que tu voulais partager un moment avec nous, mon ami. Je dois m'approcher. Eh ben, bonne chasse, mon ami. Et mange bien. Il me faut une cible. Si tu vas jusqu'à ton frigo, je te conseille de manger léger. Je ne suis pas à portée. C'est trop loin. Il vous reste des points de talent, hein. Tu... Coup de sabre à 10% de chance supplémentaire de frapper à nouveau. D'accord. Ça a l'air bien. Soit avec vous. Pour l'Alliance. Je dois m'approcher. Je ne suis pas attaqué. Il me faut une cible. C'est trop loin.
Vultros. Les élites argent, si je me rappelle bien, ce sont des mobs avec un loot rare sur la carte. Je n'ai pas de cible. J'allais dire, ils ne sont pas si faciles que ça à tuer, mais c'est pas non plus. M'approcher. M'approcher. Je dois d'abord choisir une cible. Je sais pas, y a une quête là. Je ne suis pas à portée. Il me faut une cible. Je n'ai pas de cible. Je dois m'approcher. C'est quoi ces limons en papier là? Il faut que je cherche une cruche vide. Oh putain, il y a une chier de Pokémon dans le jeu en plus, hein.
Du coup, la luminosité a tellement changé que le fond vert ne marche plus du tout. C'est trop loin. Genre le trésor est caché dans une cruche qui est au milieu de la prairie. Ça c'est classe. Ah oh putain, c'est vrai, c'est dans le bateau, non? Je ne suis pas à portée. Je crois me rappeler que c'est dans le bateau et je crois qu'il y a une chienne murloc sur le chemin. C'est trop loin. Je ne suis pas emporté. Je dois m'approcher. Trop loin. Je dois m'approcher. C'est trop loin. On peut aller au Carmine déjà. Putain, comment tu te fais avoir en fait? Il y a combien de classes dans WoW? Dans WoW, il y a guerrier,
voleur, prêtre, mage, démoniste, moine, druide, le guerrier noir, le porte-bord, je sais plus comment il s'appelle, l'Atlas d'Illidan, le chasseur de ténèbres ou je sais pas quoi. Et y en a une autre, mais je me rappelle plus c'est quoi. Il y en a une dizaine. Au moins une dizaine. Sachant que tu as aussi des races qui ne peuvent pas faire certaines classes. Je crois que tu peux pas être humaine et druide, par exemple. Je ne suis pas à portée. Qu'est-ce qui m'envoie des messages privés pendant que je stream. Il est gentil. Sachant que je suis quasiment sûr que il m'en manque au moins une ou deux. J'ai fait les trucs, je veux te les envoyer. Je dois m'approcher. Je n'ai pas de cible. Il me faut une cible. Je réponds rapidement à Kazuo. C'est dans Terra, ça, non? Non, non, mais il y en a aussi. Il y en a des communes à tous les MMO, hein, de toute façon. Faudrait que je vérifie combien de classes précisément. Mais au moins 10, ça c'est sûr. Je ne suis pas à portée. M'approcher. Je crois qu'il y avait un moyen de mettre la carte en transparente sur l'écran. C'était peut-être V. Non? Ouais. C'est trop loin.
Le fond vert déconne totalement, donc on va le supprimer. Vous êtes bien sur Bakel Live, le live de la loose. Tout va bien, vous inquiétez pas. Je n'ai pas de cible. Normal. Personne n'a tué là. Oh, il y a une zone inconnue là. Putain, je suis incapable de me rappeler si ça s'y était déjà ou pas. Oh non! Je suis pas à portée. Je n'ai pas de cible. Et je crois que tu devais faire une image pour la pause et pour le début de live et la fin de live. Du coup, t'as redéfini ma charte graphique en même temps. Voilà. Ok. Non, j'ai pas des petites couleurs définies. C'est pour ça que ça m'étonne que j'ai une charte graphique, quoi. Ouais, j'irai voir après le live, promis, Kezo. On en parlera si tu veux un peu plus tard dans la soirée. De plus, si tu stream, je viendrai t'emmerder sur ton live. De toute façon, je vais arrêter de live à 20h. Enfin, si j'arrive à finir la quête d'ici là. Allez, je t'embrasse, Kazoo. A bientôt sur Bakel Live ou sur Kazoo Live. Thank you.
N'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Kazuo, de vous abonner, de lui dire que vous l'aimez et que vous lui faites des bisous. Si vous rajoutez un « c'est grâce à Bakael que je suis là », vous gagnez un bisou de Bakael. Anna! Anna, c'est moche! Anna! Anna! Ça te fait des poches! Anna! Une tête de pioche! Les nains! Ta-da! Donjon d'ombre croc est déverrouillé. Il me faut une cible. Ça fait splash splash. Ah non. Je ne suis pas à portée. Je dois m'approcher. On va aller un peu plus au nord. Déjà le nain sera pas là. Et du coup on ne le piquera pas les cibles. Et en plus on sera au nord. Parce qu'il y a dit que ton nain qui nous dit jamais au nord. Pourquoi il m'entête? C'est une malédiction. Je suis pas à portée.
apporter. C'est trop loin. Ah, je comprends. Je ne suis pas à portée. Et puis, il a vraiment un univers à lui. C'est vrai que devoir payer est plutôt agaçant. Du coup, je comprends aussi que tout le monde ne puisse pas dépenser de l'argent tous les mois pour ça. Mais de mon point de vue, ça reste un investissement qui est pas dégueulasse. Enfin, peut-être plus maintenant qu'à l'époque. Ouais, maintenant il est peut-être un peu dégueulasse cet investissement en fait. Parce que je sais pas combien de temps le jeu durera encore. Clairement, c'est plus trop le jeu de l'année quoi. followers, putain ça craint. J'aurais jamais la vidéo des 200. Comment on va s'en tirer de celle-là? Alors si, il y a beaucoup de joueurs, mais il n'y en a pas beaucoup de bas niveau en fait. Le problème c'est que je suis bas niveau. Et oui, en effet, pour rencontrer du joueur bas niveau, c'est un peu compliqué. Surtout que je suis pas sur un jeune serveur en fait. Je suis retourné sur le serveur sur lequel j'avais commencé le jeu. Ça m'agace un peu de faire. C'est un serveur français, ça. Pour le coup. Tu as des serveurs anglais, tu as des serveurs allemands, français. Bonjour. On se voit plus tard. Faites un bon voyage. Salutations. GG.
Du coup, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur WoW ou sur Blue Dragon. On verra. On verra comment je suis motivé. Dans tous les cas, on se retrouve samedi pour... Ouais, j'ai enlevé la cam parce que en fait, j'ai plus de lumière chez moi. Hop. Du coup, la cam est totalement dégueulasse en fait. Et ça arrange pas les choses. Si je fais ça, c'est un peu mieux, mais c'est pas top. Hein. Ouais, du coup, je disais, on se retrouve dans tous les cas samedi pour un live spécial avec Kazuo. Quoique, si je faisais juste l'effort d'aller allumer la lumière aussi, hein, ça coûte pas cher. Ouais, donc je disais Kazuo samedi. La suite de nos aventures sur Backend Live, toujours. Hein, ne vous inquiétez pas, la chaîne est toujours là, la chaîne continue. Au moins cette année. La fonte du bronze. D'accord, pour faire du bronze, il faut de l'étain et du cuivre. Voilà. Que la lumière vous bénisse. Hop. Est-ce qu'on avait un peu de forge à faire? On va faire des silex. Un plaisir de vous rencontrer. Vous avez besoin de quelque chose? Soin de vous. Cantelaire unique de la maille, ceinture de cuivre. Donc ça, je peux en faire 8, 66. On va faire ça. C'est un t-shirt Lego en effet, ouais. J'ai toute une collection de t-shirts sympathiques que j'achète sur un site franglais, on va l'appeler ça comme ça, qui s'appelle QWERTY. Je fais de la pub avec plaisir pour eux d'ailleurs. QWERTY. À ce niveau-là, ça me dérange pas, parce que leurs t-shirts sont vraiment cool pour le coup. Hop. Je sais pas vraiment de la pub parce que je suis pas payé pour le faire. Tu as pas mal de renouveau sur les t-shirts. En général, tes t-shirts sont aussi selon les événements en cours, par exemple à la sortie des films liés à la culture geek. Tu as toujours des t-shirts liés à ces films. D'accord, il y a la Horde qui a essayé d'attaquer. Pourquoi pas? Il faut aller donner un paquet à Lokmotan.
Que la journée soit bonne. Livraison Foudre Pic. Allez, Foudre Pic. Pour vous. On se voit plus tard. Ah, on a dit qu'on s'est connecté. Et du coup, tu as régulièrement des ventes avec des soldes. Donc le site est plutôt intéressant de temps en temps, quoi. Après, j'achète pas des t-shirts tous les jours non plus, hein. Ça coûte assez cher. On est à l'obèse. Du coup, le nombre de classes. Du coup, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu as 12 classes d'en haut. Tout ça avec... on va baisser un peu la cam parce qu'on voit pas tout. Hop. Tout ça avec des races. Donc tu as les Pandaren qui font les deux alliances. Donc tu as où la Horde ou l'Alliance en fait. Donc tu as les orques, les humains, les nains, les morts vivants, les elfes de la nuit, les taurennes. Du coup, chaque race a ses spécificités, hein, bien sûr. Les humains, les nains, avec les femmes et les hommes, hein, toujours. Du coup, les morts vivants. Les tauren, qui sont des taureaux. Hein. Les elfes de la nuit. Les gnomes. Les trolls. Les Draenei, qui sont des extraterrestres qui viennent en fait d'une autre dimension. Les elfes de sang, qui sont des elfes spéciaux. Eux aussi viennent d'une autre dimension, si je me rappelle bien. Les Vorgen. Les Vorgen, qui sont en fait des humains transformés en loups-garous. Du coup, en fait, c'est pas vraiment une race en soi, mais si, c'est une race. Du coup, il y a beaucoup de quêtes au niveau de la Horde avec les Vorgen. Et les gobelins, bien sûr, une race mythique d'emmerdeurs de petite taille. Et comme tu vois, en fait, selon ta race, tu as certaines classes qui ne sont pas disponibles. Par exemple, le tauren ne peut pas être voleur. Faut dire qu'un voleur de 2 mètres de large... voilà. Les trolls ne peuvent pas être chasseurs de démons, ni paladins. Les orques ne peuvent pas être paladins. Et que les elfes de sang, je crois. Et du coup, t'as les Pandaren. Les Pandaren qui sont une classe que tout le monde attendait depuis des années. Parce que, en fait, c'était un personnage bonus dans Warcraft 3 Frozen Throne. Elle est assez classe, hein, la femelle. Hein. J'ai jamais fait de Pandaren. Soigner, encaisser, infliger des dégâts de mêlée. Putain, il a un sacré rôle quand même. Enfin voilà. J'espère avoir répondu à la plupart de tes questions. Ça, ce sont mes vieux personnages de l'époque où je jouais. Comment dire ? Bon, on dit les temps parce que c'était pas vrai. À l'époque, je jouais, donc c'était il y a 10 ans à peu près. J'avais 2-3 persos. Faudrait que je regarde ce que je peux faire pour aider mon perso. Je crois pas avoir de sac dispo dans mon coffre de banque, mais je dois avoir de quoi en craft par contre. Ouais, j'ai des étoffes runiques, j'ai plein de trucs. À mon avis, elle était un tout petit peu couturière à une époque. Et j'ai dû la passer herboriste. Cueillette dans des herboristes. Pour l'Alliance. Ah, la couture. Sac en tisse néant.
Ça doit être ça que je veux. 18 places, ouais. Au pire, on fera du lunaire. Mais en tisse néant, je dois pouvoir en faire. Hein. Avec un personnage niveau 70, je dois voir ce qu'il y a. Hein. Que puis-je pour vous ? Quoique j'en avais pas beaucoup. Hein. Sans coche d'enchantement. Ah oui, c'est parce que ça faisait 20. Si, si, j'ai des rouleaux de tisse néant en plus. C'est cool. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? C'est ça qu'en tisse néant. Du fil runique. Du fil runique. Composant d'artisanat. Fil ensorcelé. Prenez soin de vous. Faut peut-être aller voir le maître de couture pour en acheter. Tout à l'heure, on l'a identifié, le maître de la couture, il était pas loin. Il était peut-être dans cette zone. Ah oui, c'est vrai que j'avais un chat. Je peux vous aider. On est ouvert. Fil runique. Bonjour. Du coup, normalement, là, je vais pouvoir faire plein de sacs. Étoffe lunaire. Bam, bam, bam. Il s'appelle Sando, mon chat. Je sais pas si on peut le voir. Je sais pas si on peut le voir. Avant, on pouvait avoir les caractéristiques de son pet, mais maintenant, je sais plus trop. Familier. Voilà Sando. Voilà. Non, non, c'est Sando. Sando qui vient du nouvel Anjo Oshin, où le rôle de Sando est en fait le rôle d'assistant de l'Anjo Oshin. C'est aussi le pseudo que j'avais donné à un collègue. Qui ose m'invoquer ?
coup, comme tu peux voir là, tous les points verts, c'est des gens. Hein. Pas forcément tous disponibles, mais. Et le problème, tu vois, c'est que justement, ils sont tous très haut niveau. Est-ce que je peux l'envoyer à Pacael? Parfait. Sac. Parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça devrait bien aller. On va lui envoyer 10 PO. Hop! Ça devrait lui permettre de bien se mettre dans la vie. Honneur au roi. J'ai fait une chier de choses quand même. Après, tu as des serveurs qui sont beaucoup plus, tu vois, nouveaux joueurs. C'est vrai que Ijal, pour le coup, n'est pas forcément le meilleur serveur pour commencer, vu qu'il fait partie des serveurs un peu vieillot. Vu qu'il était déjà up il y a 10 ans. Et j'imagine que si tu joues sur un serveur anglais, tu trouves encore plus de monde. Mais bon. Hop. En tout cas les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Mia, je te remercie d'avoir